Madame la ministre. Merci. Je pense que ça sera ma dernière prise de parole. Mais juste, moi, je comprends que des enfants nés sous X, par exemple, cherchent leurs origines. Et donc, on entend les difficultés et les souffrances individuelles. Mais je rappelle qu'aujourd'hui, on légifère pour 67 millions de Français. Donc, à l'échelon individuel, cette demande des enfants nés sous X a été entendue, puisque la loi de 2002 a mis en place la CNAOP pour faciliter l'accès aux origines de manière encadrée et accompagnée. Donc, on est en train, un décret va être publié pour faciliter l'accès aux origines pour les enfants nés sous X, et nous venons de l'accorder pour les enfants avec tiers donneur. Donc, quelque part, nous faisons la loi pour répondre à ces demandes individuelles. Après, ce que vous demandez est beaucoup plus large. Il est beaucoup plus large. Et moi, j'entends ce que dit M. Fuchs. Ça se fait ailleurs et les Français le font. Oui. Mais alors, si nous tenons ce raisonnement, c'est vrai pour la GPA, c'est vrai pour tout ce que nous examinons aujourd'hui. C'est vrai aussi pour les embryons chimères en Chine. Donc, si on tient ce raisonnement, c'est de moins 10 ans éthique. Donc, aujourd'hui, nous avons trouvé cette ligne de crête entre ce qui est utile aux Français en termes de soins, en termes de prise en charge, ce qui fait avancer les connaissances avec nos valeurs éthiques fondamentales. Et là, je pense que nous passerions un cap qu'aujourd'hui, en tant que ministre des Solidarités et de la Santé, et mes collègues du gouvernement sont tout à fait en phase avec moi, je regrette que Frédérique Vidal ne puisse pas être là, elle tiendrait le même raisonnement. Nous pensons que nous irions beaucoup trop loin dans la capacité à permettre à chaque citoyen d'avoir sa signature génétique ce que cela entraînerait des dérives comportemental potentiel dans notre société. Nous ne le souhaitons pas et l'argument de « ça se fait ailleurs » ne peut en aucun cas être un argument dans cette loi que nous examinons aujourd'hui. Merci Madame la Ministre. Monsieur Raffan.